Le club La France des entreprises s'engage de La Réunion fait partie d'un mouvement national. Et la charte de la diversité s'inscrit complètement dans les orientations du club de La Réunion, où nous avons donc le sujet du handicap, le sujet de l'insertion des jeunes et le sujet de la diversité qui a été choisi par l'ensemble des membres du club. Aujourd'hui, le club de La Réunion est constitué de 279 entreprises, à la fois des grosses entreprises réunionnaises, des TPE, des PME et aussi des filiales de grands groupes d'entreprises du continent. Alors, dans cette charte, comme cela vous a été présenté, il y a différentes phases. Il y a la signature de la charte, ensuite il y a l'accompagnement de la mise en œuvre pour ceux qui signent la charte, à travers donc l'association nationale qui porte cette charte, qui est l'association des entreprises de la cité, qui existe depuis 40 ans. Et il y aura aussi bien sûr une phase de bilan. Maintenant, cette charte s'inscrit plus globalement dans une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise sur un sujet qui est la diversité. La diversité, encore une fois, au sens large. Et la mise en place de cette diversité au sein de l'entreprise pour que la différence soit comprise. Et quand on comprend mieux la différence, cela permet de mieux vivre ensemble. C'est un peu l'adage de la Réunion. Effectivement, comme vous dites, le vivre ensemble réunionnais, c'est quelque chose qui n'est pas acquis. C'est quelque chose qui doit se travailler, qu'on doit rappeler. Et encore une fois, je pense qu'on est dans une étape aujourd'hui qui rentre dans une étape globale de préservation de cette, et on parle beaucoup de biodiversité, donc préservation de l'humain, préservation de cette diversité humaine au sein de nos entreprises. Et c'est important de le réaffirmer, parce que ce n'est pas acquis. Les choses sont sensibles et il faut être vigilant là-dessus. D'où aussi l'intérêt d'affirmer cette diversité, d'affirmer cette charte, d'affirmer la volonté des entreprises de vouloir engranger ce mouvement, parce que c'est important pour le monde économique, c'est important pour le monde social, et encore une fois, qu'il y ait la paix et l'unité sur un territoire comme le nôtre, la Réunion, c'est très important.